congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouve les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Le général-major Peter Chirimwami tient désormais les rênes du gouvernorat du Nord Kivu en qualité de gouverneur intérimaire. Il a été installé à ses postes et présenté à la population par le général-major Itchali Gonzandourou Jacques, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements, ce 19 septembre 2023 à Goma dans une cérémonie officielle et publique. Ce, après la lecture de l'arrêté ministériel signé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, du message télégramme, mais aussi du PV d'installation, tous lus par Pierre Ovid Elité, directeur des cabinets du gouverneur. Nous, lieutenant général Chiwewe Songesa Kissian, chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, en exécution de l'arrêté ministériel numéro VPN, barre, MDNAC, barre, CAP, barre, 021, barre, 2023, du 16 septembre 2023, portant désignation à titre intérimaire du gouverneur militaire du Nord Kivu. Avons procédé ce jour à l'installation du général-major Chirimwami Kuba Peter, matricule 1, 67, 96, 75, 33, 050, en qualité du gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu. Le général-major Itchali Gonzandourou Jacques a par l'occasion appelé la politisme de l'armée. Il a invité le gouverneur à installer à l'écoute de la population et a invité par la suite la population à l'amour de l'armée. Vous y allez parce que vous êtes au service de la nation et c'est un service commandé. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui j'ai choisi tel, jamais. Nommé, désigné, à vos ordres, ils viendront, ils vont faire leur travail. Cessez ces histoires-là d'impliquer les militaires dans des histoires tribalo-ethniques, tout ça, non. Cette cérémonie a été marquée par la remise des clés des bureaux et du sceau du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Retenez que le général-major Peter Chirimwami joue l'intérim du lieutenant-général Constant Dima Kumba, rappelé à Kinshasa il y a peu après les événements sanglants du 30 août 2023 à Ndosho, dans la ville de Goma. Au
Un jour après son installation, le gouverneur intérimaire et commandant des opérations au Nord Kivu a effectué ce mercredi 20 septembre 2023 une visite d'inspection sur l'axe Goma qui bâtit Buhumba en territoire de Nyiragongo. Le général-major Peter Chirimwaminkuba a été sur les différentes positions avancées des FRDC pour matérialiser la mission lui confiée par l'autorité suprême et voir comment se comportent les hommes de troupes sur les lignes de front. Ça veut dire que je suis en train de matérialiser la vision de l'autorité suprême qui m'a été transmise par les billets du chef d'état-major général, en passant par le vice-premier ministre de la Défense. Ils m'ont demandé que la priorité, c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front. Même si nous sommes dans une situation de cessez-le-feu, il fallait que je me rassure que nous sommes prêts. Nous sommes en train de... Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer. On nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tient à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. À la population, le gouverneur ad intérim du Nord Kivu a demandé de développer une approche qui doit changer la perception des choses vis-à-vis des militaires. Il n'y a pas un problème entre l'armée et la population. Il y a eu des incidents entre Congolais et nous pouvons corriger des erreurs entre nous. Et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population, nous puissions développer une approche qui va changer la perception. Nous sommes des Congolais, c'est notre pays. Ce n'est pas les Rwandais qui vont venir changer la perception, c'est nous. Ou parce qu'il y a eu des incidents entre nous, la population ne va pas aller au Rwanda pour devenir des Rwandais. Entre nous, on va corriger, c'est entre nous, il n'y a pas de problème. Après la stabilisation et la consolidation de l'appui dans certains territoires de l'Ituri par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboyen Kachomadjouni, place à présent au développement. Dans l'objectif de respecter les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir tout Congolais participer pour la reconstruction du pays, l'opérateur économique et notable du territoire de Djougou, Atandele Bachebandei, se lance dans plusieurs actions sociales en faveur de la population de la zone minière. Le tronçon routier Mungwa-Luyedi, long de 55 km jadis, dans un état de dégradation très avancé, un parcours de combattants pour les usagers est à ce jour en pleine réhabilitation, un motif de joie pour le chef du groupement Chibi Chibi. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions le gouvernement provincial de nous avoir envoyé un partenaire sérieux. Et nous l'accueillons les bras ouverts. Nous savons qu'il est en train de réhabiliter la route Lodjo et Yedi et nous les soutenons. La jeunesse de Plito et de Mabilindei bénéficie également des deux terrains de football de la part de ses dignes fils de l'Ituri. Cette marque de reconnaissance est exprimée par les présidents de jeunes de la contrée. Vraiment, c'est une très grande satisfaction. Nous disons vraiment un grand merci à notre patron de la société sous les palmiers parce qu'il a accepté notre demande et il a réalisé aussi. On a beaucoup souffert, on a fait des demandes partout, par-ci, par-là. On n'avait pas de réponse, mais aujourd'hui, il a accepté, il a fait. Au volet de la territoriale, le chef de localité de Yedi est doté de deux motos pour les itinérances, y compris des tronçonneuses pour l'autofinancement de son entité. Plus de 3000 jeunes de la région de Mungwalu et d'ailleurs sont employés par ces notables dans différents métiers. Une manière pour cet artisan de développement d'encadrer cette jeunesse au lieu de les enrôler dans les rangs de groupes armés. Aussi, deux personnes déplacées du site de l'ISP Bounia en difficulté pendant plusieurs semaines trouvent solution à leur calvaire grâce à l'opérateur économique Atandele Bajebandei. En effet, deux milliers de bois de chauffage sont mis à leur disposition. Ce n'est pas tout. La commune rurale de Mungwalu est dotée d'une ambulance, une première dans l'histoire de cette cité minière. Et c'est sans quelconque fait des paiements. Au regard de ces bilans positifs, la chancellerie des ordres nationaux a décerné un diplôme de mérite en qualité
d'honorables dignitaires à ses dignes fils de l'Ituri pour de loyaux services rendus sur les plans de développement dans cette partie du pays. Messieurs Atandele Bachibandei doit servir d'exemple à d'autres fils et filles de l'Ituri. Ce vendredi 22 septembre 2023, le service de sécurité a présenté au commandant place 12e région militaire 13 capturés de la milice Mobondo lors des opérations dans le secteur Lulalumene, territoire de Kivula, province du Congo central. En effet, fin mois d'août 2023, les éléments du groupe se prénommant Mobondo se sont coalisés pour mener une attaque sur un village appelé Final, causant la mort de paisibles citoyens. 18 personnes tuées, dont un militaire. De suite de cette attaque, au ratissage, 13 Mobondo ont été capturés. 6 miliciens originaires du territoire de Popokabaka, 1 du territoire de Kwasongo-Lunda, tous de province de Kwango. 6 autres du territoire de Kivula, province du Congo central. Avec eux, 4 armes à feu calibre 12, un panneau solaire, un colis de gris-gris. Après ceux, ils ont été conduits à l'auditorat militaire pour être acheminés à la prison centrale de Matadi. La journée du vendredi 22 septembre 2023 marque la clôture de la formation de 2 semaines sur le renforcement des capacités des cadres instructeurs et des stagiaires des différentes écoles militaires de la place Rwanda. Formation délivrée par les éléments français résidant au Gabon dans le cadre du détachement d'instruction opérationnelle d'infanterie DIO en sigle et de la mission commune aux forces armées MICFA en sigle. La cérémonie de clôture était chapeautée par les commandants du groupement d'école militaire spécifique et le représentant du commandant de la base militaire de Kitona et place Mwanda. Du côté congolais, au nom du commandant Baki, je suis représenté. Nous remettons les cadeaux au responsable de Dio Mikfa pour sa disponibilité dès qu'on a besoin de lui. Merci, mon général. Toujours au nom du commandant Baki, empêché représenté ici, nous remettons les cadeaux représentant au chef du DIO infanterie pour sa disponibilité. Merci, mon général. Au nom du commandant du groupement des écoles militaires spécifiques, du commandant de l'école d'infanterie et de toute l'unité, je voudrais remettre ce cadeau au chef de la délégation de l'infanterie pour sa disponibilité au service. Messieurs les éléments français du Gabon, et comme toutes les fois que vous venez ici, à la fin de la formation, nous vous remercions pour votre disponibilité. Dès qu'un exercice pareil est programmé, vous n'hésitez pas de venir. Et nous vous remercions aussi ça. Et pour terminer, alors je déclare clos les DIO infanterie et MICFA d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Suite d'une violence meurtrière survenue dans la nuit du 23 au 24 septembre entre les rendus de la milice Apanapale et les habitants de la localité Moulangué, faisant un bilan de 2 morts parmi lesquels un rendu et un villageois, 4 blessés, des maisons incendiées et plusieurs dégâts matériels enregistrés à 18 km dans le sud-ouest de Kalemi, le commandant des opérations militaires dans le Tanganyika est arrivé ce lundi 25 septembre sur le drame pour s'imprégner de la situation. Selon le représentant des éléments auto-défense,
Les causes de ces atrocités sont liées à la tracasserie et à la détention illégale des armes blanches, notamment des flèches et couteaux empoisonnés de la part de ces ex-miliciens regroupés à Moulangué depuis 5 mois passés en attente des dispositifs de logement par le PDD RCS. Cette situation a créé encore une fois un déplacement massif des populations environnantes vers un centre de déplacés. Sur place, le commandant des opérations a appelé les uns et les autres à la paix, l'union et l'amour qui forment le socle d'une bonne cohabitation pacifique au lieu de la violence. Il a fortement martelé sur l'utilisation des mineurs par certains leaders, acte qui constitue une atteinte au droit international humanitaire et aux lois portant protection de l'enfant. Nakatala mushale, nakatala kuwa mutu mumugini. Jana tunapende deja batu bawili po bure. Mwana et surtout attaquer utiliser baba toto kidogo kidogo mu ma violence zenu mina kia kumufunga le même jour. Le commandant a enfin renforcé un effectif des militaires FARDC dans cette entité afin de rétablir l'autorité de l'État, permettre la sécurité et le retour des habitants. L'école d'infanterie, c'est une école qui forme les commandants des bases de l'infanterie. Cette école a naturellement 6 promotions. Il y a la promotion qui forme les commandants des compagnies, la promotion qu'on appelle FCCI, formation des commandants infanterie. Il y a la promotion qui forme les chefs des pelotons infanterie, qu'on appelle CEPSI, cours de perfectionnement des sous-lieutenants d'infanterie. La troisième promotion, c'est la promotion brevet 2, la promotion qui forme les adjoints chefs de peloton infanterie. C'est là que les sergents en général, les premiers sergents, les sergents-majors obtiennent les grades d'adjudant à l'issue de la formation brevet 2. Il y a la quatrième promotion, c'est la promotion brevet 3 infanterie. Cette promotion reçoit les sergents issus des différentes unités et de l'école des sous-officiers et qui sortent chefs de section infanterie. La cinquième promotion, c'est la promotion des pro-santé. Les pro-santé, ce sont des infirmiers civils qui optent pour travailler dans nos structures hospitalières militaires et qui viennent dans cette promotion qui est brevet de pro-santé pour sortir adjudant infirmier. C'est différent de l'école de santé qui forme les techniciens de santé. Mais nous, nous recevons les techniciens de santé civile qui viennent pour devenir militaires et y sortir avec les grades acquis. La sixième promotion, c'est le brevet 4, la promotion qui forme les tireurs d'élite des différentes armes, servant les armes du niveau infanterie, par exemple les mortiers 60, mortiers 61, mortiers 81, 80, 82, les mitraillettes et d'autres armes de l'infanterie. On a besoin de former des tireurs d'élite, des mitraillettes et certaines armes d'infanterie, c'est à l'école d'infanterie brevet 4. Là, on reçoit les caporaux, même les soldats de première classe. Je pense que c'est ça une présentation brève de l'école d'infanterie. Les commandants suprêmes, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi du Chilombo, a mobilisé les jeunes Congolais pour vraiment intégrer l'armée. Ça a été une initiative que nous avons appréciée énormément. Et l'école d'infanterie y a participé et y participe avec une part très capitale. Déjà un, parmi les instructeurs qui forment ces nouvelles recrues au centre d'instruction Kitona, il y a une grande partie des instructeurs qui viennent de l'école d'infanterie. Parce que l'école d'infanterie a vraiment un grand pourcentage des instructeurs qui sont partis appuyer et soutenir la formation au centre d'instruction Kitona. Et ils sont là en permanence. De l'autre part, l'école d'infanterie a aussi formé parmi les recrues qui étaient au CI Kitona, on avait sélectionné les diplômés d'État, les gradués et les licenciés, pour faire d'eux des adjoints chefs de peloton, des chefs de section. On a sélectionné ces récipiendaires au centre d'instruction Kitona, qui avaient quand même un titre académique et un diplôme d'État. Ils ont été versés à l'école d'infanterie pour 3 mois. À ces jours, je vous rassure que j'ai déjà produit autant de chefs de section infanterie, les adjoints pilotes infanterie, plus les officiers issus de l'académie qui sont passés aussi par l'infanterie pour les formations de chefs de peloton infanterie.
Donc j'ai produit ces éléments qui ont fini il y a déjà un mois. Présentement, ils sont rentrés au centre d'instruction du Tona pour encadrer les jeunes gens qui sont là-bas en pleine formation. La réponse est positive. Ces respiraires bénéficient d'une formation excellente. Parce que qui dit la formation voit aussi la motivation. Moi, je félicite sincèrement et je suis reconnaissant au nom de mon école la contribution énorme du commandant suprême pour la motivation des instructeurs. Je remercie aussi le chef d'état-major général, le lieutenant-général Chiwewe Christian, pour les rapports. Donc, ils ont suivi pratiquement la vision du chef de l'État pour motiver les instructeurs à Kitona. Aujourd'hui, chaque instructeur a une prime spéciale émanant de la hiérarchie, en dehors des différentes primes ordinaires que les instructeurs reçoivent. Mais à Kitona, tous les instructeurs ont une prime spéciale et qui est considérable. Tout le monde s'est mobilisé pour qu'il y ait vraiment une motivation des instructeurs. Et quand les instructeurs sont bien motivés, la formation est top. Les instructeurs forment, ils sont en brousse avec le militaire, ils sont au chevet des militaires à tout moment. Les militaires eux-mêmes mangent très bien. Aujourd'hui, à Kitona, les militaires qui sont sans instruction mangent trois fois par jour. Ils ont le déjeuner le matin, ils mangent à midi, et avant de dormir le soir, ils mangent. Là, c'est vraiment la volonté du chef de l'État qui veut que cette armée puisse obtenir le maximum de puissance et peser aussi dans les concerts des nations, comme puissance et géant dans cette sous-région et dans notre région africaine. Le Rwanda occupe une part de notre terre, dans l'est de notre pays. L'M23, c'est le Rwanda. Ce sont des régiments, des bataillons rwandais qui sont à l'est de notre pays. Mais nous, en tant que militaires, que ce soit toutes les formations ordinaires là, que nous donnons à nos respiraires, même ces différentes formations spéciales qui sont en cours pour le moment, mais ça vise la défense et l'intégrité de notre territoire. Ça vise la sécurisation de notre population. Et les cas échéants, nous devons goûter dehors les Rwandais qui se cachent sous le label M23. Et cela, nous devons le faire aussi rapidement. Voilà pourquoi tous nous sommes mobilisés et suivant la vision du chef de l'État, avec notre chef d'état-major général et toutes les autorités hiérarchiques qui sont vraiment déterminées pour que nous puissions chasser les Rwandais qui sont dans notre sol. Donc la vision, c'est vraiment récupérer l'intégrité de notre territoire. À l'école d'infanterie, je commande il y a maintenant deux ans, en dépit de toutes les disciplines traditionnelles qui sont dans différentes armées, oui. En tout cas, j'ai ajouté les cours intitulés le patriotisme, avec l'autorisation des autorités. Patriotisme, parce qu'il y a un auteur qui a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'art ». Ruine de l'âme. Nous pouvons donner à nos respiraires, nos stagiaires, toutes les notions militaires, l'armement, la tactique, topographie, toutes les disciplines militaires possibles, même certaines disciplines générales. Mais s'ils n'ont pas de notion de patriotisme, moi je peux dire que c'est une formation nulle. Parce que si vous donnez aux militaires l'art de combattre, vous leur donnez le pouvoir combattre. Mais s'ils n'ont pas le vouloir combattre la volonté, s'ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas l'amour de leur pays. Ils vont prendre toutes les sciences acquises pour aller servir les ennemis. Mais ils peuvent se retirer, ils entrent dans les camps, dans les rangs des M23. Ils commencent maintenant à appliquer toutes les sciences apprises dans l'armée gouvernementale pour aller servir de l'autre côté. Donc avec le patriotisme, d'abord il faut savoir, le patriotisme c'est quoi? Le patriotisme c'est l'amour de la patrie. Et la patrie en soi c'est quoi? La patrie en soi, quoi? C'est la terre de nos ancêtres. Si on vous demande en un mot de donner la signification du concept patrie, il faut dire carrément, la patrie, c'est la terre de nos ancêtres. Alors, nous avons une terre reléguée par nos ancêtres pendant des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, avec notre génération, nous devons garder soigneusement, jalousement, cette terre-là, dans toute son égalité, dans toute son intégrité. Et cela corrobore avec notre constitution, avec nos missions de l'armée, qui nous exigent de protéger l'intégrité de notre territoire.